Salut les filles! Alors aujourd'hui, je vous propose 4 tenues du jour. Donc voici la première. Je porte un t-shirt qui vient de chez Morgan avec deux têtes de léopard ou de panthère, comme vous voulez. Par-dessus, j'ai mis un blazer rouge qui vient de chez Mango dans un style un peu officier. Alors, le problème, c'est qu'il est en lin, donc il se froisse facilement. Voilà les têtes de léopard de plus près. Elles sont dans un tissu un peu velours, c'est super sympa. Et ensuite, vous avez mes bijoux quotidiens, c'est-à-dire mes montres, mes chaînes, mes bagues, etc. J'ai bouclé mes cheveux, mes boucles d'oreilles sont des petites studs et mon collier Goutte vient de chez Six. Voilà la tenue en entier. Le jean est un Levi's. Et les chaussures viennent de la Halle aux chaussures, c'est la marque Loreana. Je les avais achetées il y a 2 ans pour le mariage de mon frère. Et je souhaitais prendre un sac pro mode, donc on peut le porter soit à l'épaule, soit dans le creux du coude, ou alors vous pouvez utiliser la bandoulière si vous préférez. J'adore ce sac, mais je dois le recoudre au moins 2 fois déjà. Deuxième tenue, oui, je suis fan des blazers, comme vous pouvez le voir. J'ai fait une queue de cheval en regardant mes cheveux bouclés. Mon blazer vient de chez Zara, c'est celui que j'avais acheté en août dernier. Le t-shirt vient de chez Morgan, il est récent. Ce que j'aime bien, c'est le détail au niveau des manches avec la petite fermeture éclair qui s'ouvre d'ailleurs. J'ai ma montre DKNY, mes bagues, mes bijoux quotidiens. Et ce gros bracelet vient de chez Morgan. Et la rangée du milieu est exactement de la couleur du t-shirt. Ce collier vient de chez Primark, c'est Justine qui m'a offert. Mon jean est un Levi's, c'est le même que dans la première tenue. Et j'ai mis des petites ballerines pour aller avec, des petites ballerines noires qui viennent de chez Texto, elles sont en cuir. Super confortable à porter. Les voilà de plus près. Troisième tenue, on ne peut plus simple, confort. Donc je rajoute toujours un blazer par-dessus parce qu'il fait un peu froid. Et puis les blazers, je sais pas, j'aime bien les blazers, je trouve que ça donne tout de suite un côté classe à la tenue. Donc là, je vous le montre fermé parce qu'il a une coupe assez originale. Il vient de chez Pinky. Le t-shirt vient de chez Pinky également. Et en dessous, j'ai un débardeur H&M noir pour changer un peu du blanc. Le jean vient de chez Pinky également. Le collier vient de chez Six. C'est celui de la première tenue. Le boucle d'oreille vient de chez Pinky. Le collier plume vient de chez Pinky également. Mon sac est un Longchamp, c'est le modèle pliage shopping. Donc le grand, le fourre-tout. Et pour terminer, j'ai choisi de mettre des Converse vertes pour changer un petit peu, donner un petit peu de couleur, si on peut dire. Et la dernière tenue, dans un style un peu rétro, je trouve, c'est sûrement le t-shirt à pois qui fait ça. Donc j'ai un blazer de chez Zara, qui est celui de la deuxième tenue, que j'adore. Je le mets tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est un truc de malade. Mon t-shirt vient de chez Pimki, donc il a des pois et il est très intéressant dans le dos, parce que j'ai totalement zappé de filmer le dos, ce qui est... ça ne sert à rien. J'ai mis une ceinture qui vient de chez Mango autour, donc c'est une ceinture en cuir verni. Mon collier vient de chez Tiffany & Co, c'est le mini cœur. Mes boucles d'oreilles viennent de chez Pimki.
Mon pantalon vient de chez Pimke également, il est verni et j'ai les chaussures de chez Texto, les petites ballerines en cuir. Et voilà. Les musiques viennent de Alex Good, Bright Lights and Lightning. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur mon top 10 mascara. J'espère que ça vous a plu et je vous dis bientôt.